Prenons maintenant Françoise, par exemple. 35 ans, cadre qui semble dynamique. Je dis bien qu'elle semble, parce qu'en ce moment, elle n'est pas au top. Elle est en arrêt maladie. Quant à Brahim, pour lui, c'est compliqué parce qu'en ce moment, il est au chômage. Heureusement, pour Françoise et Brahim, pendant ces périodes, ils continuent d'acquérir des droits qui seront pris en compte pour le calcul de leur retraite. Mais qu'en est-il du côté de l'assurance retraite? Eh oui, il est possible de faire à tout moment une demande de relevé de carrière à sa caisse de retraite. Mais c'est quoi un relevé de carrière? Eh bien, ce document retrace l'ensemble de la carrière de tout assuré. Les périodes travaillées, les périodes assimilées, tout y est. Pour se le procurer, Françoise peut soit envoyer un courrier, soit le faire par Internet, soit se rendre sur place à l'agence retraite de sa ville. Justement, puisqu'on est sur place, Françoise, allons voir comment ça se passe à l'assurance retraite.